Ici, dans Okaï, il y a un grand procès qui a déroulé, qui a dit qui a venu la justice dans le pays d'Haïti. 35 policiers ont assemblé tous les jours, qui était 19 janvier 2010, là, y a une dizaine de prisonniers ou plus. La communauté internationale là, à moun, qui travaille sous droit moun, a fixé ce procès. Je jure de parler, sans haine et sans crainte. Je dire toute la vérité, et rien que la vérité. Et XLA, comment faire connaître? Parce que il était avec un cagoule dans la tête. Comment faire connaître? XLA pas ta cagoule là. Qui est-ce que vous dites cagoule là? C'est monsieur Pepe Almeida. Non, pas Pepe Almeida. Qui est-ce? C'est Nol Mafin Gwen bien. Mais mon trolé. Qui est ça là? Monsieur a dit, moi-même avec XLA qui est entré dans la prison en premier, XLA pas dans le même groupe avec. Et puis il dit cagoule. Me casté. Donc, ça c'est archi faux. C'est pourquoi, magistrat, le Conseil de la Défense tient à demander acte à votre honneur et à faire consigner pour nous sur le bureau d'audience de ce que le témoin, dans toutes ses premières paroles déposant sur la foi du serment, avait déclaré, avait remarqué le policier Iseloa cagoulé, casqué et qui aurait tiré sur lui. Le premier. Le confrère de la défense est en train de dénaturer, encore une fois, voyez bien, la déposition du témoin. Le témoin a bien précisé, il déclare avoir vu d'une part, XLA, et d'autre part, comme on a dit. Donc, maintenant, on n'est pas sur la même longueur. J'ai pas encore terminé, cher maître. Donc, le témoin n'a pas dit qu'il a vu. Le dossier est momentanément suspendu. Ok, super. En matière pénale, la responsabilité est personnelle. Chaque monde est responsable pour ça le faire. Donc maintenant, sourire les gens collectivement pour dire que tout le monde, tout le monde, sans qu'on ne détermine individuellement la responsabilité de chaque monde, laisse avoir un jugement expéditif ou un jugement collectif que la loi ne reconnaît pas. Nous n'avons pas de rapport d'autopsie, nous n'avons pas d'acte de décès, nous n'avons pas de rapport balistique, pas de rapport médical, c'est un dossier vide. Le témoignage en matière pénale est la preuve par excellence. Donc les témoins. Pour nous-mêmes, au sein du ministère public, c'est sur les âmes que nous gagnons pour que nous soutenions l'accusation. En pile, monde m'a détecté si le procès s'agisse. Dans la prison Okaïla, qui chita derrière poste police là, c'est là que témoigné sous grosse surveillance la police, plus passé policier accusé. Témoigné dit que le père pour pas empoisonné, selon déclaration Florence Elie, protectrice citoyenne. Qui travaille sur le dossier ça. On vient de backup à prisonnier policier ça. Est-ce que c'est backup présent sur vinn bail la jodi a? Moi explique clairement pour qui ça que me venir. Ça qui est important pour nous, c'est d'abord les victimes parce que c'est aux victimes, c'est important, il faut une prise en charge et prisonnier au tout, il faut que procès au fait dans le respect du droit de la défense. Donc maintenant c'est tribunal là qui va décider sur question ça. Et heureusement moi, d'un côté comme de l'autre, il y a des avocats et des ministères publics de talent qui ont fait le travail là. Nous autres, ce qui est important pour nous, c'est au niveau d'organisation. Pour ça, c'est un gros test pour la justice haïtienne. Côté, j'ai communauté internationale là, bien calé, absurde, comment ça va le finir. Il y a une situation qui la cause, en pile doute, blahi, dans la population. Hein. Côté, il a posé tête aux questions, qui est-ce qui a gagné, qui est-ce qui a perdu.